what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine, yes. Je viens d'aller conduire les loulous à l'école. On dirait qu'il va faire beau. Froid, mais beau, du soleil. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Je viens de... Enfin, c'est un petit quart d'heure que je suis rentrée. J'ai commencé à répondre à vos commentaires un tout petit peu. L'aspirateur n'était pas fini, donc j'ai laissé finir avant d'attaquer. Ce que j'ai fait aussi ce matin, en me levant, j'ai tout de suite enlevé mes rideaux, je les ai lavés comme là je vais les remettre. Cette semaine c'est la cuisine la zone, donc je vais avancer un petit peu à la fois. Dès que j'ai un petit moment de libre, je prends mon petit classeur, ma petite liste, je regarde ce que j'ai à faire et je coche. Comme là ce matin j'avais un petit quart d'heure, donc du coup moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les plafonds. Enfin j'avais même pas un quart d'heure, j'avais 5 minutes quoi en fait. Donc j'ai fait les plafonds et j'ai enlevé mes rideaux, je les ai mis dans la machine. Une fois qu'ils sont lavés, je les remets mouillés en fait, ils sèchent sur la barre. Donc voilà, ça fera déjà deux, trois trucs que je pourrais cocher du coup sur ma liste, puisque je vais sortir Marley qui gratte à ma porte. Oui, trois trucs, l'impatient, comme son maître. C'est tout de suite, il sait pas attendre 2 minutes. Oui, donc je disais, je me souviens plus. Je me souviens un peu de ce que je disais, trop forte. C'est pas grave. Oui, donc, oui, je vais avancer un petit peu comme ça. Voilà. Bref. J'ai perdu le fil. Il m'a fait perdre le fil. Il m'a embrouillé. Je vais regarder ce que je vous disais. Je vais reprendre. Donc, j'ai coché 3 trucs déjà sur ma liste. Le plafond, du coup, les rideaux. Et comme hier, j'avais fait mon frigo, j'ai coché aussi mon frigo. En fait, tout ce que... dès que j'ai les 5 minutes, ou que voilà, je me dis, ben, je vais avancer. Comme ça, ben, j'ai moins de choses à faire sur ma zone. Et je fais le plus gros, souvent le jeudi, vendredi. Mais les petits trucs comme ça, comme par exemple, ben, là, je vais devoir faire les poubelles. Enfin, voilà, les trucs qui mettent pas beaucoup de temps. Ben, là, par exemple, j'ai les portes, donc sûrement je ferai les portes aussi aujourd'hui quand j'aurai 5 minutes, comme ça ben voilà, ça me fait avancer sur ma zone. Maintenant il veut rentrer un petit peu à la fois et il y a moins de travail du coup dessus, et c'est pour ça que c'est pratique d'avoir cette petite liste. Alors si vous le savez pas, j'ai tout partagé sur le blog, tout est en lien en barre d'infos dans la partie organisation. Vous allez voir, je vous ai partagé tout mon dossier et tout, donc j'ai tous les petits tableaux comme ça et en fait tout est programmé. Donc là, vous voyez, c'est ce que je fais tous les mois. Et ça, ici, c'est ce que je fais avec des périodes, soit tous les trimestres, soit tous les semestres, ou soit tous les ans. Et vous voyez, comme là, cette semaine, ce mois-ci, c'est les murs que je voudrais faire. Donc ça, je le ferai sûrement, c'est une grosse partie, je le ferai sûrement jeudi ou vendredi, les jours où je consacre à mon ménage de zone, quoi, en fait. Mais les autres trucs, ben voilà, quand c'est des petits trucs, vous voyez, comme là, comme je vous ai dit, les rideaux, ça allait vite, les portes, l'intérieur du lave-vaisselle, c'est pareil, c'est des trucs, ça met 5 minutes, je regarde, quand j'ai 5-10 minutes dans ma journée, et ben je regarde, je me dis, ah, tiens, je vais faire ça, je coche, et comme ça, j'avance sur ma zone. Voilà, semblant de rien. Mais comme je vous ai dit, tout est en lien... en barre d'infos si vous le souhaitez. En fait j'ai trois façons d'organiser mon ménage. J'ai la petite routine du soir, donc la routine familiale, je voulais partager aussi. Donc ça c'est le plus gros que je fais tous les jours, on le fait en famille, ça prend 15 minutes même pas, qu'en fait après le repas on s'y met tous, on fait chacun quelque chose. Donc c'est pareil, je vous ai partagé cette petite liste de choses, donc mettez là à votre, c'est juste l'idée hein, que je vous partage. Après vous le mettez à votre sauce et en fonction de vous et de votre famille et de vos exigences quoi en fait. Ensuite j'ai ma petite routine du matin qui est vraiment très très légère maintenant, puisque le plus gros est fait le soir. Donc le matin tout ce que je fais c'est vider de la vaisselle, ranger, vider le sèche-linge et ranger le linge, le plier, le repasser et le ranger. C'est un peu tout ce que je fais, et donner un petit coup dans la salle de bain après qu'on ait tous passé. Donc c'est vraiment tout ce que je fais le matin. Et ensuite j'ai ma routine qui est, enfin c'est pas une routine, c'est mon...
ménage de semaine, quoi, en fait, qui est réparti aussi un petit peu sur tout le long de la semaine. Donc le lundi je fais un truc, le mardi je fais les poussières et puis les miroirs et les prises, le mercredi je vais faire les sols, là donner un petit coup vite fait correct au sol avec un raclo. Alors la cuisine est faite tous les jours, hein, ça fait partie de ma routine, mais les chambres et tout, ça n'a pas besoin en fait d'être fait tous les jours, on monte pas avec nos chaussures et tout, donc du coup voilà. Et ensuite, enfin voilà, ainsi de suite. Mais comme je vous dis, toutes mes petites fiches sont en barre d'infos. Et ensuite j'ai le ménage de zone qui est vraiment là, du ménage en profondeur. Par exemple, faire une armoire, faire les vitres, comme là nettoyer, vous voyez, les rideaux, nettoyer l'intérieur du lave-vaisselle, nettoyer le frigo à fond. Le frigo est fait dans mon ménage hebdomadaire toutes les semaines un petit coup. Mais tout vider, tout nettoyer, tout ranger et tout, je le fais tous les mois. Donc voilà, allez voir et si ça peut vous donner des petites pistes et vous aider dans votre organisation pour être plus cool dans ça et avoir une charge de travail. Enfin, c'est surtout une charge mentale, quoi, en fait. Parce que chez nous, les femmes, on est souvent embêtées avec ça parce qu'on a plein de trucs dans la tête et tout. Et là, en fait, tout est noté et j'ai plus qu'à suivre. Voilà, ça m'allège l'esprit. Bon, allez, je vais vers mes faluches. Comme je dis, il faut qu'elles soient... Pour les faluches, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, je vous ai déjà partagé la recette sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, c'est des faluches... Alors, c'est des petits pains du Nord, les faluches. Ça fait des petits pains ronds, tout mou, tout tendre, en fait. Ça fait un pain sans croûte, en fait, un petit peu, un peu blanc. Voilà, c'est vraiment très très bon et ça se conserve super bien. Alors, nous, on le mange farci en sandwich, mais... Quand j'étais petite, maman mettait du beurre et de la vergeoise, enfin de la cassonade et de la vergeoise en fait brune à l'intérieur. Et quand ils étaient encore, on les faisait réchauffer, quoi, en fait. Et du coup, le beurre fondait, la cassonade se mélangeait avec le beurre, c'était vraiment trop, trop, trop bon. Enfin, la vergeoise. Alors souvent, on me demande, c'est quoi la différence entre la cassonade et la vergeoise? Alors la cassonade, c'est un sucre qui vient de la canne à sucre, en fait. Alors que la vergeoise, c'est un sucre de betterave qui, à l'origine, est blanc, en fait, comme notre sucre ordinaire. Mais en fait, on va venir le caraméliser un petit peu, le chauffer. Et c'est ce qui donne un petit peu ce côté... un peu grumuleux, vous voyez, et humide de la vergeoise, et son petit goût caractéristique. Alors quand elle est blonde, parce qu'il existe deux vergeoises, une blonde qui a un petit goût et une brune qui a un goût qui est un peu plus prononcé, justement de ce petit goût de caramel, quoi, en fait. Donc comme je vous dis, mélanger avec du beurre sur une tartine de pain chaud, une faluche, c'est trop bon. Allez, on y va pour les faluches. Never did I give in, just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. We've been through everything that
j'ai encore un peu de temps devant moi, j'ai bien, comme vous avez dit, bien travaillé, je suis fière. Du coup, j'ai avancé aussi sur ma zone, ça va mieux au niveau de l'estomac, donc je pense que du coup, j'ai un petit regain d'énergie. Du coup, moi, j'ai fait mes portes. Après, bah, du coup, j'ai fait mon lave-vaisselle. J'ai fait mon four. J'ai pas fait la gazinière, mais j'ai fait le four. Parce que je me suis dit, comme je vais mettre mes phallus, je vais le faire tout de suite. Et là, voilà. C'est bon. J'ai donné. J'ai assez fait. J'en garde un petit peu pour les autres jours. Pour pas m'ennuyer les autres jours. Mais je vais mettre en cuisine. En fait, il y en a une de vous qui m'avait parlé de la recette des crunchies sur le Cookomics. Alors, c'est une recette qui m'avait déjà fait de l'œil. Et qu'à chaque fois, je me disais, faudrait que je la fasse. Faudrait que je la fasse. Alors, je m'interdisais de la faire jusqu'à maintenant, parce qu'en fait il y a du caramel dedans, il y a pas mal de sucre et tout dedans, et je sais que c'est le genre de truc que je vais pas résister, mais voilà, maintenant comme ça va mieux et que je m'autorise à manger des petits trucs de ce style sans trop culpabiliser, bon, je dis ça va mieux, mais voilà, je suis encore obligée de travailler sur moi, hein, mais voilà. Donc du coup, j'ai bien envie de tester la recette. En fait, elle me disait que la recette n'était pas claire et qu'il y avait des choses qu'elle comprenait pas, je pense, dessus. Donc bah, on va faire ça ensemble, on va voir ce que ça donne. Alors je pense que ça ressemble très fortement au millionnaire que je vous ai partagé déjà sur le blog. Ça ressemble un peu au twist, ça fait une pâte sablée, un caramel au-dessus et du chocolat. Et en fait, je pense que c'est juste le format qui change, en fait. Parce que même le caramel, parce que dans la description, il est écrit d'un caramel beurre salé. Donc je pensais que c'était vraiment un caramel beurre salé. Mais quand on regarde dans la liste des ingrédients pour le caramel beurre salé, ils font avec du lait concentré, comme dans ma recette des millionnaires. Donc je pense que ça ressemble très très fortement à cette recette. Donc on va voir ça. On y va. Alors, au niveau des ingrédients, pour la pâte sablée, il faut des noisettes, de la farine, de la levure chimique. Moi, il n'y a pas de noisettes dedans, donc c'est peut-être le petit truc qui va changer. Noisettes, farine, levure chimique, beurre, demi-sel, des œufs, du sucre en poudre, du sucre vanillé. Ensuite, pour le caramel beurre salé, il faut du lait concentré, du sucre roux, du beurre demi-sel et du miel liquide. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. Et il faut du chocolat au lait pour mettre au-dessus. Je vous mettrai le lien vers la recette en barre d'infos si vous voulez. Alors, on y va. On préchauffe le four à 180 degrés. Moi, c'est déjà en préchauffage. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout faire jusqu'à ce que je vais chercher Stacy, mais on va faire le maximum. Il faut mettre 40 g de noisettes dans le robot. Alors, je pense que ça va être pour réduire un petit peu en poudre. Du coup, les mettre dedans. 2 secondes, vitesse 5. Comme je vous ai dit, je pense que c'est pour les concasser. Alors, je pensais en poudre, mais non. Je pense que c'est pour les concasser. 2 secondes. Alors, ils disent d'enlever. Mais franchement, ça n'a pas réduit en poudre-poudre. Hein. Moi, je rajouterais... Enfin, pas poudre, mais ça a à peine concassé les... Je vais peut-être remettre deux minutes. Ça sent bon, les noisettes. 2 secondes. Parce que franchement, ça les a à peine cassées. Ce qu'ils me disent, de transvider le récipient et de laisser la poudre s'il y en a à l'intérieur. Mais là, franchement, ça a à peine concassé les noisettes, quoi, en fait. Alors, c'est peut-être parce que le MCC est moins puissant que le Thermomix, hein. Donc je vais remettre 2 minutes et je vais mettre vitesse 6, enfin 2 secondes et je vais mettre vitesse 6. Voilà. Donc on a un tout petit peu de poudre mais on a les noisettes qui sont un petit peu en morceaux. Donc il faut récupérer les morceaux et puis laisser, ben, le... en fait je pense qu'il ne faut pas nettoyer le bol, quoi. En fait il faut laisser la poudre à l'intérieur. Voilà. Hop, non, je remets mon bol. On doit mettre 120 g de farine, un demi sachet de levure chimique, 90 g de beurre demi-sel, 2 œufs, 60 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, on met le gobelet doseur et on mixe 30 secondes vitesse 4. Alors c'est une recette qu'on pourrait très bien faire autre que dans le MCC. Hein. Vous faites votre pâte soit avec le kitchen, enfin un robot pâtissier, ou soit avec un robot mixeur, quoi, en fait, lambda. Peut-être après pour le caramel qu'on va devoir le faire cuire dedans, mais à la casserole, ne vous arrêtez pas au fait de ne pas avoir le robot pour pouvoir faire une recette, hein, parce que, voilà, avant on n'avait pas de robot, on faisait tout à la main, quoi, en fait. C'est vrai que c'est plus facile avec les robots, mais ne vous arrêtez pas à ça, quoi, en fait. Si vous n'avez pas le robot, ne vous empêchez pas de faire une recette qui vous donne envie. Ça vous mettra, vous mettrez peut-être un peu plus de temps, et puis vous allez mettre un petit peu plus d'huile de coude dedans. Mais voilà, elle sera tout aussi réussie, et vous pouvez très très bien y arriver. On a la pâte qui est faite. Ils nous disent de former 24 boules de taille égale avec la pâte. Environ 15 g chacune. Divisez la pâte en deux, puis chacune des moitiés en 6...
Ouais. Bon, clairement, il faut faire 24 boules avec à peu près de 15 grammes. Parce que là, en fait, ils expliquent comment avoir 15 grammes sans peser, mais en divisant la pâte, etc., etc. Donc, on prend une balance, c'est plus simple. Et on pèse des petites boules de 15 grammes. Et on fait des petites boules. Voilà. Alors, la pâte, elle est assez granuleuse. Il faut bien la remalgamer, en fait, enfin refaire une boule avec. Parce qu'il y a même encore un petit peu de farine dans le fond. En fait, il disait dans la recette, c'est peut-être ça aussi que c'est un peu flou, de faire une boule, de la diviser en deux, puis chacune des deux moitiés, on la divise en 6, donc du coup, ça nous fait 12 petites boules, et ensuite encore en deux, donc du coup, ça, on obtient 24 boules. Donc, on fait une grosse boule, on la divise en deux, les deux moitiés, on la divise en 6, et ensuite, chaque moitié encore en deux pour avoir nos 24 boules. C'est vrai que c'est pas, c'est plus clair expliqué que en parole ou à écrit. Donc, vous voyez, là j'ai ma boule, je la divise en deux, je reforme du coup deux boules. Que je redivise du coup en deux. Enfin, en 6. Donc, hop, 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 hop. Et ensuite, ben, je forme du coup des boules que je redivise en deux. Et du coup, en tout, ça va nous faire 24 petites boules. 24 petites boules d'environ 15 grammes. Voilà. Alors, une fois qu'on a nos 24 petites boules, on prend un moule à mettre mini muffin. Alors moi, je l'ai graissé un petit peu avec ma bombe. Et on va venir mettre chaque boule dans les empreintes. Qui va être vide. Ensuite, il faut les écraser un tout petit peu. Alors moi, je vais utiliser un mortier comme ça, hop, je vais venir juste le graisser un tout petit peu avec ma bombe, comme ça il va pas coller. Et voilà. Donc du coup, bah, moi, j'ai su en faire que 23 et pourtant, j'ai pesé 15 grammes. Je suis une toquée. Voilà, je pèse pour avoir des portions qui sont égales. Donc là, du coup, une fois que c'est un petit peu écrasé avec le mortier, ça va tout seul. On met 13 minutes au four à 180 degrés. Une fois les 12 minutes passées, on les retire du four. Et en fait, ils nous disent avec Alexa, stop, avec un pignon ou un manche ou quoi, de venir faire des trous en fait à l'intérieur, d'appuyer. Alors c'est sûrement pour faire la petite cavité pour pouvoir mettre le caramel ensuite. Hop. Alors ils disent de ne pas les sortir, de ne pas les démouler, il faut attendre qu'ils refroidissent complètement. Donc j'ai bien fait de les faire avant, comme ça ben ils auront le temps de refroidir le temps que je vais chercher Stacy. Alors, ce que j'espère, c'est que je vais bien savoir les démouler. On va laisser refroidir et on verra tout à l'heure. En tout cas, ça a bien fonctionné. Et c'est vrai que tout à l'heure, je regardais dans les commentaires et tout, ce qu'ils en disaient de la recette. Et il y en avait beaucoup qui faisaient ça avec d'autres parfums. Et c'est vrai que ça peut être pas mal avec un cœur de confiture. Et puis là, je voyais avec du chocolat blanc ou de la pistache et de la pistache au-dessus. Ou même style avec du lemon curd à l'intérieur ou quoi. Ça peut être, voilà, ça peut être une chouette idée. Allez, du coup, il est quelle heure? Je devrais y aller. Je vais aller chercher ma miss. J'étais récupérée Stacy.
Donc du coup on va manger. Alors ce midi c'est des faluches comme je vous ai dit. Elles sont ici. Je vous montre un peu l'intérieur. Hop. Ça fait un pain tout mou, tout tendre. Alors moi j'ai mis de la farine mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc faluche avec du thon dedans et puis des crudités, tomates, salades, des petites olives, des oignons, enfin voilà ce qu'on veut, des cornichons. Chacun va faire à sa sauce. Stacy va prendre aussi un bol de soupe parce qu'il restait de la soupe aussi d'hier aux champignons. Puis ça va être notre petit repas de ce soir. Et moi après je vais continuer du coup les petits crunchies. Ouais, j'ai fini de manger. On va tout de suite lancer le caramel. Parce que, à ce que j'ai pu voir, il faut 40 minutes pour le faire cuire. Donc, alors, il faut 135 g de lait concentré. Ça m'embête parce que une boîte, c'est beaucoup plus. Du coup, je me demande si je doublerai pas. Bon. Je vais faire 135 g et je verrai ce que je ferai avec le reste. Parce que j'ai peur que si ça marche pas, après de gâcher le reste. Mais bon, logiquement, ça devrait marcher parce que vu les commentaires, c'est une recette qui est fait, refait, 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 refait. Donc on y va. 135 grammes. Ensuite, il faut 30 grammes de sucre roux. Alors moi, je vais mettre de la vergeoise parce que j'ai pas de d'autre sucre. Enfin, j'ai de la vergeoise blonde, mais je pense que la vergeoise, ça pourrait aller. Hop, tard, donc 30 grammes. Ensuite, il faut 40 g de beurre salé et 10 g de sel. Donc, de miel, donc 40 g de caramel beurre salé. Ouh là là. Et 10 g de sel. Non, pas encore. Donc ensuite, il faut rajouter 40 g de beurre de salé. Beurre salé. Et puis 10 g de miel. Alors moi, j'ai mis du miel d'acacia parce que je veux pas que ça prenne trop le goût du miel. Je veux qu'on garde le goût du caramel. Hop, et là, il faut mettre 30 secondes, vitesse 5. Donc, je pense que c'est pour tout mélanger. On va racler les petits les bords du bol. Bon, moi, ça ne fait pas trop projeté. Et ensuite, ben, faut les... ça fait une crème un petit peu ben, marron, en fait, avec la vergeoise, en fait. Hop. Voilà. Donc là, du coup, on va devoir faire chauffer ça. Comme je vous ai dit, c'est long. Alors, il faut mettre juste le couvercle, sans le petit couvercle ici. Donc, si vous le faites sans robot, vous faites à la casserole. Vous mélangez tout, vous faites fondre la casserole, mais vous mélangez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le temps que ça chauffe jusqu'à ce que ça change de consistance. Ça va changer de couleur et ça va changer de consistance. Ça va devenir beaucoup plus épais. Un peu comme un caramel beurre salé. Donc, on met, nous, le petit, la passoire dessus. Et du coup, 40 minutes vitesse 100 à 2 degrés. Comme je vous ai dit, 40 minutes. Waouh. Si on doit mélanger pendant 40 minutes, je pense que peut-être à la casserole, ça va peut-être plus vite. Enfin, j'espère. Enfin, quand je fais mon millionnaire, c'est vrai que ça, on met du temps quand même hein, à ce que le caramel se forme et que ça change. Hop, c'est parti pour 40 minutes. Et moi, du coup, en attendant qu'il fait le travail pour moi, je pourrais faire autre chose. Rentrer. Mon caramel vient de se finir, donc je vais pouvoir tout de suite le mettre dans les petites empreintes. Donc ils disent de verser sans attendre le caramel à l'aide d'un piston à pression ou d'une poche à douille. Alors ça m'embête de le mettre dans une poche à douille, je vais essayer de le faire à cuillère, je vais voir. Autrement un truc à piston, vous voyez, ça fait un truc, j'en avais acheté une fois mais ça fuit, enfin ça va pas très bien. Il faudrait que j'en achète un mais c'est pas pour rien quoi en fait. Hein. Faudrait que j'en trouve un dans un magasin spécialisé, mais ça je regarde pas quand je vais à Zodio. Bref, hop. Je viens de profiter du coup le temps qu'il faisait que mon robot faisait le caramel pour monter le vlog et je me suis aperçue que j'avais une tache juste là au bout du nez. Alors je l'ai vu tout à l'heure quand j'étais chercher Stacy, je l'ai vu dans le miroir, j'ai dit oh j'ai une tache là. Mais en fait j'avais pas fait attention et je l'avais pas revu dans le retour écran que j'avais une petite tache noire sur moi quand j'ai fait le four. Donc vous avez la recette avec moi avec une tache sur le nez. Je vais pas la supprimer quoi, hein, tant pis. J'assume. Bon allez. Ah, alors du coup ben, on a un beau caramel. On va se dépêcher à le faire couler sans en mettre partout. Je vais essayer de le mettre à la cuillère. Bon ça devrait aller à la cuillère je pense. Ouais. Par contre il faut se dépêcher. Alors en fait on vient remplir chaque petite. Hop. Petit trou avec du coup
Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, avec le caramel. Donc, bah, j'ai juste assez de caramel pour mettre dans chaque petit saillot avec une cuillère. Hop, donc dans chaque petit trou. Juste assez. Alors, on y va du coup. Maintenant, ils disent 250 g de chocolat au lait coupé en morceaux dans le bol. Alors, il faut pulvériser. Donc, 10 secondes vitesse 9. Et ensuite, on racle les bols, le bol avec une spatule. Et on met 5 minutes vitesse 1 à 50 degrés. On racle avec une spatule. On remet le couvercle et on remet 2 minutes 50 degrés vitesse 1, en fait c'est jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu. Et ensuite on vient le verser du coup sur les petites empreintes. Donc pareil que tout à l'heure, vous pouvez le faire au micro-ondes ou au bain-marie, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire au robot. J'ai recouvert de chocolat. Là par contre c'était un petit peu la galère. J'ai peur du démoulage en fait. Je pense que dans des moules en silicone ça irait beaucoup mieux. Là j'ai peur que... on verra bien. Alors ensuite ils disent de mettre du coup... nos petites noisettes qu'on a concassées. Voilà, donc une fois que c'est fait, il faut mettre au frigo jusqu'à ce que tout y durcit. Et ensuite, ils disent de servir à température ambiante en sortant du réfrigérateur 2 heures avant de manger, avant de les manger. Ouais, comme je vous ai dit, moi ce que j'ai peur c'est que j'arrive pas à les démouler. On verra, je serai surprise. Je les mets au frigo, maintenant je vais aller au médecin avec Eustécie. Et puis ensuite kiné. Et ensuite on va aller finir les courses à grands frais. Et après on rentre et je bouge plus. Voilà. À tout à l'heure. On est rentré. Donc du coup Stécie est au médecin. Elle doit faire un IRM en fait de sa cheville. Faut essayer de le trouver, mais elle m'a dit qu'on attendait au moins un mois pour pouvoir faire. Donc je vais regarder pour avoir un rendez-vous assez vite. Puis elle a été au kiné aussi. On a été faire les 2-3 courses à grands frais. Donc j'ai pas pris grand chose. Du beurre salé avec les cristaux de sel, c'est le meilleur. Du cheddar pour le brunch de dimanche. J'ai pris du comté râpé pour une recette. La salade avec des artichauts. Et puis j'ai pris un tout petit piment vert pour une recette. En espérant qu'il arrache pas trop. S'il faut, je goûterai avant. Et j'ai pris des fonds de flamencuche comme ça pour faire de la flamencuche ce week-end. C'est 4 fonds de spécial en fait. Donc c'est tout fin. C'est de la pâte toute fine, donc c'est cool. Pour le week-end, ça va être parfait, j'aurai pas besoin de faire de pâte. Et j'ai pris des baguettes, j'ai vraiment pas pris grand-chose hein, à grands frais. Ah oui, et puis j'ai pris du fond de veau, et du fond de volaille et des poireaux. Voilà. Ouais, c'est tout, j'en ai eu pour 22 euros. Bon, on était aussi à la pharmacie aussi, pour aller rechercher les cachets que Stécie prend pour sa colopathie. Voilà, bon, moi j'ai goûté en 4e vitesse et en fait j'ai attrapé mal au ventre. Je sais pas ce que j'ai en ce moment hein, mais dès que je mange un truc j'ai envie de vomir. Allez, je vais m'installer un petit peu, me détendre un tout petit peu, puis après je pense que j'attaquerai le repas pour ce soir. Greg, là tu vas au potager là chérie? Ouais, j'ai cherché la pompe et j'en ai servi. D'accord. En fait, il va ramener, il a fait des truites fumées pour sa mère et puis des saucisses fumées, il va lui ramener et il va aller chercher là. Oh ouais, fais attention en ouvrant. Je sens bien que ça va tomber. Et puis il va aller chercher la pompe au potager parce qu'au potager on a un puits et du coup on a une pompe pour puiser le haut du puits. Et en fait, on s'en sert pour vider le spa. Donc là, il va aller la chercher parce que demain on va retirer le spa. Enfin, demain ou dans les jours qui viennent, quoi, en fait. Parce que c'est fini et on ne pourra plus y aller. Il commence à faire un peu froid. Je vais mettre bon, allez, m'installer un petit peu jusqu'à ce que ce mal de bide s'en va. Et puis après, je vais faire le repas. Oh là là, je m'en doutais. Je viens de faire mon masque. Ça va. Un petit peu noir, mais ça va. Faudrait pas que je filme avec tout le sourcil qui est tout noir. Je viens de faire mon masque. Vous voyez le masque oculaire là? Je me suis dit, je vais me détendre un petit peu. Du coup, je me suis allongée 10 minutes dans le canapé avec le masque. Ça fait du bien. Et ensuite, j'ai eu Kim au téléphone. Elle avait rendez-vous aujourd'hui
avec un... Je vous ai dit hein, que sa grossesse avait des petites complications en fait. Pas trop grave pour le bébé, mais c'est plus pour elle. Enfin, pour elle. Logiquement, ça devrait passer avec... bref, moi, bon, elle avait un rendez-vous du coup et elle va être sous traitement. En fait, elle fait un peu de tension, un peu de diabète aussi. Mais bon, ça, le diabète gestationnel, j'en ai fait aussi pendant mes 3 grossesses. Ça arrive souvent, quoi, en fait. Comme je vous ai dit, ma maman, moi, est insulino-dépendante. Donc, ça me pend au nez un petit peu aussi. Là, elle va devoir prendre un petit peu d'insuline. Donc, voilà. Logiquement, tout devrait rentrer dans l'ordre après la naissance. Hein, mais... Voilà, donc du coup ça fait une grossesse qui est bien suivie, plus d'autres petites complications qui s'accumulent, mais bon. Hein. Principal c'est que tout va bien et que tout va bien aller. De toute façon elle est bien suivie, donc voilà, on a juste à faire confiance. Donc je vais commencer à préparer, alors il n'y a que 18h, mais je vais commencer à préparer les ingrédients. Pour la recette de ce soir, c'est orzo au porc haché avec de la butternut et de la sauge. Première recette avec de la courge. Ça y est, je suis en mode automne là. Ça y est, enfin, ma déco elle est mise, tout est mis. Marley, tu rentres parce qu'il fait froid. Donc c'est soit tu rentres ou soit je ferme la porte. Il s'en fout. Je pense que ça veut dire... Il fait demi-tour, il s'en va, donc je pense que je peux fermer la porte. Oui, donc ça y est, je suis en mode. Là, ça y est, ça va commencer, les recettes d'automne, les plats mijotés, les trucs et tout. Ouais. Le spa va partir dans pas longtemps, comme je vous ai dit, donc fini. Fini l'été. Bon, ça fait déjà quelques semaines hein, qu'il est fini. Alors, du coup, ben, pour cette recette, on va avoir besoin de porc haché. Donc 500 g de porc haché, 2 gousses d'ail haché, donc moi je vais mettre un gros morceau d'ail éléphant de Greg avec un oignon, donc je vais qu'on va hacher aussi. Je vais prendre mon petit truc là. Franchement, depuis que je l'ai, je m'en sers très souvent. En fait, ce que j'aime bien, c'est comme on arrive à doser, vous voyez comme c'est nous qui tirons sur la ficelle, on arrive bien à doser le hachage des oignons et ça coupe pas aux yeux et tout, donc c'est pratique. Il y a Luna qui veut rentrer maintenant. Portière pour les animaux. Allez, viens mes mères, allez vite avant qu'il arrive. Alors je hache un petit peu, donc du coup là il y a mon oignon, juste pour faire des petits morceaux. J'ai mal mis mon hélice, ça va pas fonctionner. Hop. Par contre, il faut faire attention de ne pas se couper un doigt, hein, parce que ça coupe fort. Oui, en fait, comme je vous disais, comme c'est nous qui tirons sur la ficelle, on peut tirer plus ou moins vite, et du coup, avoir des petits carrés d'oignons et d'ail, et pas de la purée, quoi, en fait. Ça va vite quand on fait dans un 1-2-3 ou dans le MCC. Bon, même si j'y arrive, hein, mais ça m'embête de... Avec le MCC, je fais avec la fonction pulse, ça va tout seul, hein, mais pour un oignon... Ça prend pas beaucoup de place dans le lave-vaisselle. Il y a juste ça, les lisses à nettoyer. Ça, je rince un petit coup. Je donne un petit coup, je le mets pas au lave-vaisselle parce que j'ai peur que ça rouille à la force. Ben, je pense pas qu'il irait. Bref, donc du coup, on revient à notre recette. Donc 500 g de porc haché, 2 gousses d'ail, un oignon, 1 dizaine de feuilles de sauge que j'ai demandé à Greg qui me ramène du potager hier, de la butternut. Alors la butternut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu la hacher. Donc je vais quand même devoir salir moi MCC, parce qu'on va la hacher pour avoir des petits morceaux. Vous voyez, je sais pas si vous connaissez le riz de chou-fleur ou de brocoli, ça fait des tout petits morceaux de chou-fleur qui ressemblent en fait à du riz. Donc là on va faire la même chose mais avec de la butternut. Déjà de 1, ça va permettre de la cuire très vite, et puis en fait elle va passer inaperçue pour les loulous. Alors mon père en avait donné une grosse de son potager, je vais en couper un morceau et la semaine prochaine l'autre morceau je vais faire de la soupe pour la semaine prochaine. Donc je pense que je vais la couper, je vais tout couper et mettre au congélateur, et la semaine prochaine ça sera une courge, de la soupe de butternut. Je vais fermer, on allait rentrer. Ils font que ça pour m'embêter en fait. Je voulais revenir aussi sur mes crunchies. Ce que je pensais est arrivé, je n'arrive pas à les démouler. Voilà, donc du coup ben, je galère, tout il se casse en fait, parce que ben, du coup le chocolat s'en va, avec le caramel je me retrouve avec un truc et le gâteau dans le fond. Voilà, je suis dégoûtée, on va les manger hein.
Mais il veut... oh, le pire, c'est que j'ai pas pensé. C'est Greg qui m'a fait penser après. J'avais un moule en silicone en fait. Donc je vais, comme il me reste du caramel, enfin du lait concentré, je vais les refaire parce que ça a été relativement vite en fait à faire puisque c'est le robot qui fait tout. Je vais en refaire et je vais le faire dedans. Je pense que ça, voilà, ça sera beaucoup mieux. Mais voilà, ne pas le faire dans un moule à muffins comme ils disent. Bien précisé, moule à muffins en silicone, parce que oui, et en fait je pourrais essayer hein, de gratter correctement, mais j'ai peur d'abîmer mon moule, donc du coup je vais, on va les manger, comme ça, on va les démouler, les manger direct quoi en fait, mais voilà, ils sont pas, c'est pas présentable quoi en fait, mais je m'en doutais, j'aurais dû y penser avant, mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas grave, je vais en refaire, parce que franchement, ils sont bons hein. La recette est top, hein, mais le seul truc, c'est moi qui ai choisi le mauvais moule, quoi, en fait. Allez, je vais me couper, du coup, 400 grammes de beurre. Il y a un peu plus de 400 grammes, hein, mais c'est pas grave, on n'est pas à quelques grammes près. Je vais mettre ça, du coup, dans le robot. Donc, si vous n'avez pas de MCC, vous mettez dans un robot qui hache, en fait. Le seul truc, c'est qu'il va falloir hacher, mais... par impulsion, pour pas se retrouver avec une purée quoi en fait. On cherche à garder des petits morceaux, comme je vous dis, la taille d'un petit grain de riz. Un gros grain de riz. La taille de leurs os. Ce qu'on cherche à obtenir en fait, vous voyez, des petits grains. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ah, des petits grains. Alors faites attention parce que ça va vite devenir de la purée. Hein, donc allez-y doucement pour mixer. Donc voilà. Ensuite, donc du coup, on a nos 400 g de butternut haché. Il nous faut 300 g d'orzo. Je suis en train de faire chauffer de l'eau pour les faire cuire. Alors quand on va faire cuire l'orzo, on va récupérer de l'eau. Donc mettez beaucoup d'eau pour le faire cuire. Parce qu'on voudrait récupérer au moins 500 ml. Un peu comme la dernière fois. On va s'en servir en fait pour faire la sauce. L'orzo, je ne sais pas si vous vous souvenez... C'est des pâtes qui ressemblent à des petits grains de riz. On appelle ça aussi du risini, des langues d'oiseau. On trouve ça assez facilement, comme je vous ai dit, dans le rayon des grandes surfaces. En fait, c'est du riz. Enfin, c'est des pâtes en forme de grains de riz. Donc, c'est la texture des pâtes. Donc, si vous n'en trouvez pas, vous pouvez très bien le remplacer par des pâtes. Mais c'est tout petit. Donc, ça se confond bien dans la... se confond bien dans la sauce et tout, c'est vraiment... Et puis ça reste, c'est une texture, parce que c'est quand même assez épais en fait, par rapport à une pâte. Je sais pas si... enfin... Est-ce que vous allez voir? Je sais pas si... Vous voyez, oui. C'est assez épais en fait quand même par rapport à une pâte. Donc du coup, c'est un côté un petit peu ferme quand même. Enfin, vous voyez, il y a de la mâche quand vous en mangez. Un peu comme le riz quoi en fait. Mais version pâte. Bon, après, on pourrait très bien le remplacer aussi par du riz, si ce serait une bonne idée. Ensuite, il va nous falloir 120 ml de crème liquide. De la entière si vous voulez, ou de la légère. Alors, on va avoir besoin aussi de 30 g de beurre. Sel, poivre et d'un mélange d'épices qu'on va faire maison, enfin là tout de suite. C'est juste une cuillère à café, enfin un quart de cuillère à café de thym, un quart de cuillère à café d'estragon, un quart de cuillère à café de basilic, un quart de cuillère à café de persil, un quart de cuillère à café de sauge et une demi-cuillère à café de paprika. Vous mélangez tout ça dans un petit bol et ça va être les épices qui vont, enfin l'herbe épices qui vont assaisonner aussi notre plat. Donc je mets de la sauge séchée, mais je mets aussi de la fraîche pour corser un peu ce goût de sauge. Vous pouvez aller un peu plus qu'un quart, hein. Ce qu'il y a, c'est qu'on veut pas que une herbe prend plus le goût, et faites attention surtout c'est sur l'estragon, parce qu'on veut pas qu'il y ait un goût très herbacé l'estragon, mais on veut pas qu'il prenne plus le goût par rapport à la sauge, vous voyez, donc faut vraiment au côté, enfin la sauge a un goût qui est un peu plus subtil, donc on veut pas que l'estragon prenne le dessus sur elle, on veut vraiment ce goût de sauge dans notre plat. Et le paprika, c'est surtout aussi pour la couleur qu'on en met, pour aller avec la couleur de la butternut. Donc une fois qu'on a mis toutes les herbes, on va mettre aussi un petit peu de sel et de poivre aussi dedans, et on va mélanger. Alors le sel, le poivre, vous allez au goût, vous mettez au pif. De toute façon, on va ressaler un petit peu, on va goûter notre plat, et on ressalera au fur et à mesure de la préparation. Donc là on mélange, et on a notre petit mélange d'herbes qui est fait, du coup. On sent déjà bien l'estragon.
Pourtant j'en ai mis que un quart, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis ne mettez pas trop d'estragon surtout. Vous pouvez mettre un peu plus de persil qui a un goût plus neutre, mais ne mettez pas trop d'estragon. Et voilà, un beau petit mélange d'herbes fraîches séchées mais fait maison. Voilà. Alors pour contrebalancer un petit peu tout ce orange, je trouvais qu'il manquait de vert. Donc je vais faire en accompagnement des brocolis grillés au vert. Grillé au four à l'ail, en fait je vais mettre de l'ail, enfin je vais les épicer, je vais vous montrer. En fait à Lidl en Belgique, c'est bien, c'est qu'ils font des petits sachets comme ça pour deux personnes de brocolis. Ça va être parfait parce que les enfants, ah quoi qu'ils aiment bien, donc ils vont peut-être en manger un petit peu, mais c'est parfait comme là en accompagnement. Il y a juste à les poser, ils sont déjà lavés, il y a juste à les faire cuire. Voilà, donc et ça évite d'acheter une grosse tête de brocolis quand on n'est pas beaucoup. Et franchement au niveau du prix, il y a deux moments on est surpris. Et demain ça revient moins cher que d'acheter un brocoli entier quoi, en fait. Surtout que là je pense que le brocoli est encore un peu cher. Donc je vais juste les prendre, couper les plus gros fleurons en deux s'il y a besoin, mais je vais juste les mettre sur une plaque. J'ai fait chauffer de l'eau pour mon orzo. Je vais le mettre à cuire selon les instructions du paquet. On enlève quelques minutes parce qu'on veut encore qu'il soit encore légèrement ferme à l'intérieur. C'est parce qu'il va continuer sa cuisson après dans la sauce. Donc on le fait cuire, on enlève juste une ou deux minutes de cuisson par rapport au temps indiqué sur le paquet. Alors je vous dis pas mon temps de cuisson parce qu'il y a différentes tailles d'orzo. Vous allez voir, il y a des moments il y en a des plus gros et des plus petits. Donc vérifiez bien la durée de cuisson sur votre paquet. Moi j'ai pris le un petit peu plus gros et je pense, si je dis pas de bêtises, alors je vais goûter, hein, moi je fais beaucoup à l'œil, ça doit être 8 alors, minutes. On revient à nos brocolis, donc je les ai mis sur une plaque, sel, poivre, de l'ail en poudre, de l'huile d'olive, on mélange bien et ça va dans le four pendant une dizaine de minutes, ça cure relativement vite et là on veut le garder encore un petit peu croquant à l'intérieur. Voilà, je vais remettre un petit filet au-dessus, puis ça part dans le four, un petit filet d'huile d'olive. Alors une fois que l'orzo est cuit, on met un petit filet d'huile d'olive dessus juste pour éviter qu'il attache. On le mélange, on met le couvercle et on le laisse au chaud et on va pouvoir commencer la recette. Hop, on va prendre une sauteuse. Dans la sauteuse, ça va être très simple, on va mettre un filet d'huile d'olive, nos 500 g de porc haché, notre riz, on va dire, de butternut. Hop, les épices, l'ail et l'oignon. Donc, on met tous les épices, notre ail et notre oignon qu'on a haché. Et on va tout mélanger et faire cuire ça pendant au moins 5 minutes jusqu'à ce que le porc soit bien cuit. Alors je mets tout d'un coup, c'est justement pour pouvoir avoir le porc qui s'effiloche correctement. On le mettrait tout seul, on aurait des petits amas de porc, vous voyez un peu comme des boulettes en fait dedans. Là le fait de mettre les autres légumes ensemble, ça va aider le porc à bien se mélanger. Vous voyez, il va se mélanger correctement avec les légumes. Après bien sûr, si vous ne mangez pas de porc, remplacez par du veau. La viande hachée de veau ou peut-être du bœuf aussi, ça sera juste un tout petit peu plus sec. Alors une fois que tout le porc a bien pris, n'a plus sa couleur rosée et est bien cuit, qu'on a fait un petit peu revenir, que les oignons sont devenus tendres, voilà, on ajoute le beurre, la crème, la sauge. Alors on va pas tout mettre, mais on va mettre les deux tiers à peu près. Donc c'est des feuilles de sauge que Greg m'a ramené du potager, je les ai un petit peu ciselé, j'en garde un tout petit peu, c'est pour mettre sur le dessus après des assiettes. Hop, on va ajouter notre orzo qu'on a mis de côté. Et on ajoute environ la moitié du liquide, 250 ml à peu près, du liquide qu'on a mis de côté. On mélange, on fait cuire 2 minutes, on attend que l'orzo boit un petit peu le jus, et si on voit qu'il manque du liquide, que la sauce est un peu trop épaisse, on en rajoute un tout petit peu.
Donc c'est à vous de voir en fonction de votre orzo, en fonction de tout quoi en fait. De la quantité aussi que vous avez fait. On mélange bien, on fait cuire 2 minutes. Puis on va pouvoir passer à table. Alors goûter, rectifier l'assaisonnement, mais vous voyez il faut quelque chose qui est assez crémeux, assez onctueux. Alors c'est le repas parfait à manger devant la télé, devant un feu de cheminée, dans un bol directement sous le plaid. Hein, bon, on ne sait pas ce qu'on va faire ce soir. Mais voilà, je verrai bien ça un dimanche. Un dimanche soir. C'est une recette un peu cocooning. Recette d'automne. Bon, je vais rectifier l'assaisonnement, puis je vais servir. Alors, je vous montre. Les brocolis, ce que ça donne, ils ont gardé bien leur vert. Et dans l'assiette, du coup, le plat avec un petit peu de sauge et les brocolis sur le côté, comme je vous ai dit, je vois bien ça dans un bol. Moi. On va manger. Du coup, bah, moi, je vais vous laisser là. Je vais vous faire des bisous. Et je vous dirai à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. Je suis quand même dégoûtée pour mes crunchies. Hein. J'ai pas su les démouler. À demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you